有什么苦哈嘞？我马达马，我罗瓦拉萨，我盖马耶罗伊，有那呀盖罗米，乌哥佛乌哥嘞，罗米有那呀嘎。Ya yo na ya ka, jubal te jolte na fa, DJ Abuka, ambassador. Comme nous l'avons l'habitude de le faire chaque année, donc on contacte des personnes de bonne volonté qui nous appuient et d'autres, bon, comme je le dis souvent, on est obligé de taper de voir les banques, de prendre des petits prêts pour pouvoir satisfaire cela. Parce qu'on s'est dit donc ce n'est pas une raison ou bien ça sera une faute pour nous que ces enfants orphelins qui n'aillent pas à l'école. Parce que tous les enfants qui vivent avec leurs parents, ils vont à l'école. Donc pourquoi pas les enfants orphelins aussi qui ne sont pas avec leurs parents. Donc voilà, cause pour laquelle chaque année, on se débrouille avec les partenaires, avec des personnes de bonne volonté pour trouver des crédits scolaires et les inscriptions à l'école. Voilà, on est en train de taper ailleurs avec d'autres pas, avec des partenaires aussi qui sont à l'étranger, qui nous envoient des fois des cahiers, des bics, du matériel. Donc comme aussi, ils n'ont pas des fonds, mais ils organisent des activités bon, pour avoir de l'argent. Donc voilà, chaque année, on les envoie des lettres d'information pour leur dire que nous avons des enfants orphelins qui sont là, qui sont dans le besoin. D'ailleurs, même j'ai eu l'année passée, il y a 2 ans de cela, j'avais rédigé une demande de partenariat à l'inspecteur Diané pour qu'il nous facilite avec les directeurs des établissements que ces enfants-là puissent avoir des faveurs au niveau des inscriptions. Parce que souvent, on a des enfants orphelins qu'on renvoie de l'école parce qu'ils n'ont pas de cotisation et autres. Parce que moi, je n'ai pas vu mon papa. Mon papa est décédé quand j'avais 6 mois. Donc c'est des questions qui m'ont pris en charge. Après, ma maman elle est décédée. Donc je faisais la maçonnerie, je travaillais les week-ends pour avoir de l'argent pour payer mes études et autres. Donc cause pour laquelle j'ai vécu cela. Et je me suis dit que ces enfants orphelins ne vont pas vivre ce que j'ai vécu. Donc je serai là, leur ambassade, je vais me battre pour leur cause. Bon, j'avoue que c'est un plaisir vraiment d'être la marraine de cette édition pour venir en aide aux enfants orphelins surtout, mais surtout aussi de les assister. Ces enfants qui sont sans défense, de prouver vraiment qu'ils peuvent compter sur nous. Ça a été vraiment un honneur d'être la marraine de cette édition. C'est de les demander de faire plus d'efforts. Parce que si nous autres sommes là pour les assister, c'est pour qu'eux également, à leur place, qu'ils font des résultats à l'école, pour qu'ils puissent passer en classe supérieure et amener de très bons résultats, comme je l'ai dit. Donc c'est juste un message pour les rappeler à l'ordre, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler à l'école. Parce qu'on ne leur demande pas la dépense à la maison, ni les médicaments à la maison. Juste on leur demande d'aller à l'école, de bien travailler et d'avoir de très bons résultats. Voilà, là, j'avoue que j'ai été sidérée parce que c'est la première fois que je viens ici. Mais quand j'ai vu les locaux et Samba m'a dit qu'il l'a fait avec ses propres moyens, cela vraiment, je dis où sont nos autorités? Où sont nos autorités? Ça, c'est une cause noble qu'il faut saluer, mais également qu'il faut soutenir. Vraiment, je lance un appel à toutes les autorités locales, qu'ils viennent en aide, pas Samba, mais la structure, la jeunesse orpheline en réalité, parce qu'elles sont dans le besoin, la jeunesse est dans le besoin, vraiment. Donc il faut que les autorités viennent en aide à Samba, à la jeunesse orpheline, pour que vraiment qu'ils améliorent les conditions de vie de ces enfants-là. J'ai fait exprès de venir avec ces gens-là pour vraiment montrer aux enfants qu'ils peuvent devenir quelque chose demain. Il suffit juste vraiment de croire en eux et ils peuvent vraiment devenir quelque chose demain. J'ai fait exprès de venir avec un délégué médical, de venir avec un pédiatre. C'est pour montrer aux enfants qu'il y a des exemples ici vraiment qu'il faut tenir en compte et ils peuvent vraiment y arriver rien qu'en travaillant à l'école. Hallelujah,
Je m'en vais.